Mardi 11 octobre 2022, civilacaille.com, nous comptons paraître avec nouvelle vidéo ça. Et donc, c'est un bon plaisir, nous rejoignons malgré Jean Bagayoye, et bien pour nous continuer à informer, pour nous continuer à porter actualité pour vous. Et sous ça qui a passé dans le pays, nous, Haïti chérie, maman nous, et sans nous, et tout ça nous gagne, et bien mesdames et messieurs, Bagayoye a commencé à dégénérer. Et dans le moment où on a parlé là, pour Bibiti, 5 gros volants qui en bas code, 5 gros volants, ça, mesdames et messieurs, nous allons inviter à regarder. Mais comment population t'a auditionné nèg sa yo nèg yo pa vle wè afè moun nan zone nan et ben c'est envahi et puis cassé côté aller et fois ça yo met nèg yo en bacord en pile souffle calotte en coup de poing coup de pied et yo tout fonné nèg yo en bacou on va inviter wè sénateur Lambert président sénat sorti dans silence li sur dossier militaire gen pour entrer dans pays a sénateur Lambert qui voye pied qui pas content décision ça que gouvernement de facto Ariel Henry li même li prend dans tête pays il y a pour entrer avec militaire alors que nous gagnons le PNH là qui te gérer cette question ça Canada voyage acheter blindé yo kembe yo pa vle voyou Haïti alors que yo chop devant bande pour venir bay sécurité Haïti on demande qui sécurité ou pas connait alors que l'état haïtien commande blindé à divers lot matériel pour la police là gien bagay nan men yo Canada bloqué yo pa voyou vini. A besoin pour l'entrée dans le pays d'Haïti avec militaire, mais les américains pour venir dire pour aider Haïti résoudre le problème d'insécurité à Joseph Lambert, voye pied, et pas d'accord, décision ça, mesdames et messieurs. Chef gang Timakak paraît tout col, par une serre tête encore, qui donc sans cagoule, Timakak lui-même qui mettait sur les réseaux sociaux pour faire mon ouais qui n'est qui Timakak là, qui est-ce qui a peur. Théoriser la boule, qui est-ce qui te boule? Donc, sénateur, et bien, Timakak qui est même jeudi à la fait tout le monde, quand tu croises Timakak, quoi, déjà connaît, c'est Timakak. Bon écoute, tout le monde, vous êtes connecté sur vidéo, on va tout le monde. Vas-y, vas-y. Avancez. Vous avez un compte sur handicapé? Nous sommes cassés.
Mais c'est qu'on a l'aime pas une cape moto là, n'aime pas lumière moto. Ouais, je monte au truc ça, l'aime dire que moi-même je cours moto pas capable. Tout le temps de moi. C'est là, on a là, l'aime pas là, n'aime dire mais c'est ça est là lié dans zone là. Pas casse le bas ça, on gère dans le mètre ici, c'est ça pas casse. N'aime dire là, commande. C'est pas bon. C'est pas bon. Avant d'entrer dans le point, on regarde deux trois éléments d'information qui sont assez intéressants. Nous parlons de Gonaïve d'abord. Et il y a une vidéo qui est virale sur les réseaux sociaux. Et finalement, Timakak lui montre le visage. Non, Timakak pas clair. Timakak pas monsieur. Monsieur Banan a fait, monsieur Banan a fait et Kagoul. Timakak clair, monsieur parle de visage lui. Et monsieur demande pour tout nègre lui tout retirer Kagoul. Et tout nègre qui dame, monsieur, dans la vidéo. Vous regardez une vidéo, chef là. Oui, une vidéo là. Ok. Les gars, musical, bien, ok, très bien, ok. Donc, Timakak, clair, il paraît tout col net. Il paraît iso, comme il y a un fucking cagoule dans la figure, tout à l'heure, il y a un macaque. Ok? Timakak, clair, il retire le cagoule lui-même, il dit tout n'est pas le retire le cagoule. Ok? Photo, là, et qu'il prend responsabilité, ok? Il y a une bataille, bataille, qu'est-ce que c'est? Montez photo, monsieur? Oui, montez photo, monsieur. Oui, photo, monsieur. Mon qui va prendre photo Timakak, et bien, il y a une chance pour une photo Timakak. Et puis, et c'est monsieur qui est chef gang donc non et Taraz OK dans Taraz dans la boule 12 hier c'est monsieur qui est descendu en personne avec toute équipe lui pour t'al piller maquette qui dans Kafou la boule 12 et c'est monsieur toi avec toute équipe lui hier qui t'a attaqué commissariat Thomas 25 en tout cas et pour commissariat Thomas 25 là et la police prend contrôle situation effectivement hier soir et dans la soirée et aux environs de 7h 6h du soir et ben t'es gagné et des bandits armés, en fait, des individus qui ont été identifiés de monde qui fait partie de base de Timakak, qui sortit la boule 12, qui a attaqué le commissariat Thomas 25. Mm-hmm. Heureusement, donc, les policiers étaient là. Okay. Et monsieur éteint toute lumière. Et puis, ils ont répondu correctement à tout bandit. Correct. Ils ont eu un pile balle qui a tiré jusqu'à ce que donc, d'autres unités spécialisées donc, de la monsieur police... Donc, monsieur, repoussé Timakak. Il a repoussé Timakak. Donc, là, même... Différent de l'information qui a fait quoi que... Non. Nèg yo attaqué comme ça, yo prend en otage. Ouais, mais ça me dit, oui. Eh bien, oui. Mais ça me dit, non. Donc, c'est ça, information. C'est matin débat qui a bon information, là. Ouais, ouais. D'ailleurs, dit que c'est pas ça. OK, mon gars dit que il était pas commissariat et Thomas 25 là, donc, en otage. Pas de débat comme ça. Même Akak. Viens finir, mon frère. Et pas de débat comme ça du tout. OK? Pas de débat comme ça du tout. Effectivement, tu as une attaque. Même Akak. Et deux bandits. Et ça, il faut que tu aies Akak qui nous regardé là. Et monsieur, pas le faire, et soldat retiré Kagouli. OK? Donc, mais Akak, c'est monsieur Timakak là, monsieur Clé. OK? Où elle fait soldat retiré Kagouli. Monsieur Clé, sous ça. Et tout n'est que. Donc, quand on vient téléphoner, mes amis, monsieur. OK. Bon. En tout cas, commissariat. Pas contre Makak, mais Makak. Ok, commissariat et Thomas 25, les sous contrôle de la police, contrôle exclusif donc, de la police nationale d'Haïti, c'était donc plus de peur que de mal. Okay. Et pas oublier, non? Uh-huh. Si Makak sorti en bas la boule, mm-hmm. Dans une zone fait ça, oui, monsieur Soto. Il moutait, il crasait en maquette. Yeah. Après ça, il moutait Thomas. Là, attaquons le commissariat. Donc, nous, on t'a le dit, papa, ici. Là, il tourne. Voilà. En tout cas.
Mais pas oublier qu'on connexion Delma et Thomas 32 avec fait ça, connexion. Une connexion. Oui, c'est-à-dire lorsque dans 32 heures, qu'elle tombe juste fait ça. Juste Thomas. Thomas 32. Ou qu'elle tombe juste dans fait ça. Oui. OK. Donc en connexion. Donc fait ça c'est Nab dit fait ça, c'est elle qui est en bas. La galette là, en bas, qui en bas et tête la boule. C'est ça. La boule douce. Exactement. Elle dit que là, l'opaltaraz. Où sont les andab du nom de dire que nous-mêmes qui en haut, également c'est que nous en sécurité. Non, pas vrai. Le danger est devant vos portes. Oui. Seulement pour vous faire des portes là. Zamna, retournez vite de nous. Zamna, retournez vite de nous. Je dis à bien personne. Nous t'abaisse, Zam. Kounia là, Zamna, n'en figue nous. Très bien. Bon bluffé, bon vagabond à col, bon vagabond à soulier, à cravate. Très bien. Il y a également Jean-Philippe Bosson et Jean-Philippe Bosson avec Jean-Philippe Sassine qui manquait mourir. Ça c'est là. Heureusement, il y a une machine blindée. Jean-Philippe Bosson, c'est petit Edouard Bosson. Edouard Bosson. Il était dans la zone d'Araz. Et puis, bandit ouvert à tout sous nègre. Ah. Nègre Timakakio. Vous avez l'autre chanté. Oui. Nègre Timakakio, donc ouvert à tout sous monsieur. Heureusement, il y a une machine blindée. Donc, c'est plus de peur que de mal. Mais parallèlement, il y a un pilote monde tout qui était dans zone là qui prend balle qui blessé donc dans action monsieur Timaka que tu fait hier madame monsieur dans zone Thomasin dans zone Taraz la boule 12 ouais ça m'a dit non elle dit et Jean-Philippe Bosson le battant avec mon non et Jean-Philippe paisiblement une machine nous voilà et puis nous yo balle Taraz et puis yo paraît sous bandit vlaou bandit plein mouda sinon on va gagner machine blindée ah monsieur cadavre ah monsieur adios. OK. Donc maintenant tu peux s'en d'abdi non. Elle dit là c'est pas question de cité soleil de nèg en bas nèg en haut pas comme ça. Eh ben nèg en haut nèg en bas nèg la ville nèg pour clair nèg pour noir pas gain bagage comme ça même. Je dis à monsieur mes côtés de mener pays là. Danger devant la caillou. Et je dis à j'ai toute jeune garçon dans ghetto à calé. Bien calé. Mais bon écoutez, voilà on a dit avec tout le monde comprendre. Bois calé pas comme ça le vin là non. Regardez ça ici ça. OK. OK, on en a encore mes amis. Et Betty, ou gen ti problème? Ou songe Betty? Pas la Betty oui. Non, gen problème mon cher. Pas la Betty, il dit son bail qui passe depuis combien de temps? Qui ça? Betty dit pas hier non, pas la passer. Bon, il parle de magistrat. Il dit magistrat, il dit c'est pas même magistrat ça. Qui magistrat a parlé? Moi, j'en parle le soir. Qui de qui magistrat a parlé? Moi, le soir, il parle de magistrat Antoine. Ah, il y a magistrat Antoine qui bon. Ah ouais? Et il dit Antoine. Il dit le tenant. Bon, moi, il veut parler là. Qui magistrat Antoine? Il veut parler, la personne qui veut parler. Mes amis. Ah ouais? T'es chargé. En tout cas, donc, ça sont des mimons qui ont machiné la rue là. Bon, qui j'en bête, j'ai dit ça. Fais magistrat pour sécurité. OK? Betty, fais magistrat pour sécurité parce que dans ce moment-là, ou même qui t'en dans le peuple là. Ou même qu'on a défendu même bataille avec le peuple. Je dis à vous, le peuple, attendez ce moment qui dit, crasez manifestation, bah, regarde. Ma bonne soirée, je suis là, ou chaud à quoi, Michel. Pirate, monsieur. Pirate. Ça, pirate, monsieur. Parce que les gens sont balayés avec les gars. Ah, monsieur. Mais, tiens, 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 Gombri, parce que la demande a été faite par le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies. Représentant permanent de la Chine aux États-Unis et aux Nations Unies, il écrit donc à Madame Lalim de. À Madame Lalim de. À, la, à Madame Lalim de. Non, il fait. Gazier. Non, il fait clair. OK? Donc, le représentant. Le représentant, madame, monsieur. Lui, je suis un non, mais je vais le passer bien. À la base, ils ont fait nous y, OK? Elle dit que le représentant permanent aux Nations Unies, le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies, il était écrit donc à madame. Non, Guinness. Il était écrit donc à madame. Vous entendez? Ah, il m'a. Il va le nommer.
Bon, monsieur, là, vous achetez. Ah, monsieur, pas faire ça, monsieur. Ah, on a fait là. Ok, c'est juste une petite blague. Yo, bon. Non, ça va, monsieur. Ça va, monsieur. Ça va, monsieur. Ça va, monsieur. Non, ça va, monsieur. Ça va, monsieur. Non, ça va, monsieur. Ça va, monsieur. Ça va, monsieur. On s'y fly. Ça va, même. Comment vous voyez, moi, dans le comme ça. Oui, oui, oui. On s'y guinness. On s'y guinness. Pas de monsieur. Ah, vous voyez, Guinness. Oh, tout ça. C'est une tête de Guinness. Ah! Et là, on a pris un ok. Vous pensez que maintenant, la Chine aux Nations Unies, les écrit Mme Lalim pour dire que vous voyez la liste tout le monde que vous même gagné, qu'elle connaît, qui n'a gang également qui a financé gang. Madame, monsieur, notez pour moi dans l'émission de débat. CNDDR, t'es lui-même déjà mené enquête lui. Elle te soumet au président Jovenel Moïse la liste de 11 familles que CNDDR connaît qui n'ont trafic d'armes dans le pays d'Haïti. Moi, c'est que là, M. Dansena n'a pas mouru là. Les commissaires du CNDDR sont là, madame, monsieur. Donc, sur l'occasion, nous-mêmes, dans l'émission de débat, nous parlons connaître qui n'ont 11 familles, ça y est. Okay? Qui n'ont question de financer les armes, qui n'ont question de trafic d'armes, qui n'ont question de financer les bandits. Parce que pas qu'on liste qui a sorti en Haïti pour le pataguer les noms de ces 11 familles, madame. C'est que CNDDR, dans le cadre d'enquête que le démène déjà, et que le soumet à l'appréciation du président Jovenel Moïse pour suivi légal. Jovenel Moïse, ma n'était pas peur, peut-être qu'il va faire confiance en commission que lui-même était nommé par arrêté présidentiel. Le président Jovenel Moïse t'a dit que okay. Il va jamais au courant de liste. Ah, mais très bien. Ouais. Mais en tout cas, il y a deux paroles qui débattent. Dorsena, si nous avons Dorsena la Kounia là, l'abdou clairement que le te remettre à Jovenel Moïse. Donc, en tout cas, te gon la lose sous question ça. En tout cas, c'est très bonne nouvelle. Ok, maintenant, nous parlons tout qu'on est une fois pour toutes. M'espère tout que Mme Lalim connaît, que CNDDR, te gon de faire travail sur ça. Et que la va compléter liste CNDDR là, pour le voyer bah, les Nations Unies, vu que le représentant permanent de la Chine aux Nations Unies. Exiger ça parce que il y a des sanctions qui peuvent prendre. Donc, ce monde, je dis à qui dans la gang, également le monde qui a financé la gang. Son dossier qui était ouvert à l'émission Matin Débat. Vous connaissez, c'est la transparence totale. OK? Bon, on va entrer dans le dossier qui est sous là-bas. Il fait 11h58 minutes. On propose, on tourne. L'un tourne, nous allons entrer dans ça qui gagne. Tout ce staff-là, et bonjour à fidèles auditeurs, auditrices, Matin Débat. OK, sénateur Joseph Lambert, et. Par contre, sous-consent, mais nous, le matin débat, n'a pas pris, nous, que tout projecteur braqué sous Sénat, tout projecteur braqué sous depuis la crise-là prend une autre dimension pratiquement dans le pays. Elle prend l'autre carrefour. Comme co-dépositaire de la souveraineté nationale, Sénat, grand pile monde qui croit que il a doué un gros rôle qu'il a doué jouer aujourd'hui. Et surtout, même comme animal politique, entre guillemets, comme vous-même, comme yon. Politicien expérimenté, également président donc, du Sénat. Je dis, hein, avec qui sentiment que nous-mêmes, comme 10 sénateurs, ça y est, nous gardons le pays? Hein? Alors, nous pouvons apprécier avec cette équipe-là pour moi faire échanger ça ensemble avec nous matin. Nous avons dit et la vive moment ça. Et son moment pour nous-mêmes au Sénat, nous fait un pilgé pour nous anticiper ce qui est capable de arriver là, je ne veux dire, et que l'on appelle chaos. Mm-hmm. Et c'est pas bon. Il y a un peu d'appel pour ça. Donc, tout le monde qui sans doute pas comprend. Wall Sénat joué pendant la période là. Et Wall que moi-même pour éviter catastrophe. Depuis déjà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louko. Permettre que me dire que ça a passé là dans le pays à son bagage que nous-mêmes avons participé depuis déjà plusieurs mois, pour ne pas dire presque 2 ans. Ok. Et nous tellement anticipé, toujours essayé de plonger fort pour nous dire et pousser acteurs
à travers chaque tweet que nous faisons, chaque intervention que nous faisons, nous avons toujours parlé de dialogue. Si il y a deux acteurs politiques qui parlent de dialogue et qui tweetent dialogue, consensus, compromis, plus dans le pays, c'est Clarence Renoir et Joseph Lambert pour le Sénat de la République. Ouais. Dialogue, on croit que c'est le meilleur outil qui vous permet que vous mettez des mondes qui paguent la même position sous le même pied d'égalité et non même trajectoire. Je ne veux dire, n'a pas constaté que on intervention presque n'importe nous. Ouais. Bien que, dans ma compréhension, et par rapport à vécu, et pour gens, en pile monde qui comprend que l'intervention qui est sollicitée par le Premier ministre Ariel Henry, et Jean Pella, je t'ai pensé que l'intervention, c'est dans deux ou trois jours que le Tawal fait. Ouais. Bah, il n'y a pas fait comme ça. Intervention, demande d'intervention très certainement à analyser. Et dans le niveau Conseil de sécurité de l'ONU, débat va le fait. Et très certainement, une décision qui n'a pas adopté. Et c'est dans la décision ça qui va déterminer forme, composante et niveau intervention qui, que acteurs ça yo gagnent pour faire dans le pays. Maintenant, disons intervention militaire, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel pays, est vécue dans la douleur et l'indignité. Bien. Je ne dis pas, si on a parlé de intervention pays, il y a son bagage qui est minutieusement préparé. Et acteurs nous, sans le vouloir ou à dessein, tout acteur nous honnête, nous jouons un rôle là-dedans. Bien. Mes ententes, des accords, G9 qui officiellement créé, donc Gutiérrez bat bravo pour lui, kidnapping, insouciance, toute qualité bagaille mélangée en ma question, guerre entre des fractions économiques rivales, X Gouma U grec pour occuper tel espace en port, ou bien tel espace commerce dans le territoire, ou bien tel espace quelconque dans tel business et autres, etc. Tout ça a concouru à mettre nous dans une situation de calamité que je ne veux dire que nous vivons. Il y a de cela un an, son antenne station sœur, magique, qui te reprend par Nouvelis, face à la situation que la population a vivre, à moins que tu es aveugle, nous t'ai dit, l'État haïtien a tout intérêt pour les constater que la force police nationale n'est pas capable d'aller même seule. Ouais. Et en plus, la force police nationale a fait des opérations qui paraissent des opérations militaires. On force sous-entraînée pour le type d'opération que la fait et sous-équipée. Et sous base, même gens que nous avons un niveau assistance que nous jouons aujourd'hui dans la formation. Policiers nous dans l'académie depuis déjà plus de 10 ou 15 ans, eh bien, nous dit et que l'État impératif pour nous analyser situation, voire même solliciter yon appui en assistance logistique et opérationnel armé en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Donc là, c'est pour dire, et, sénateur Lambert, que en fait, public, gen, tout ton tollé qu'a fait sur la toile des réseaux sociaux, savoir que je dis, en tant que président du Sénat, et que le Sénat a pris une résolution pour ta demander au gouvernement pour ta faire back sous décision qu'il prend pour ta et faire venir une force militaire participant dans le pays. Il y a des gens qui croient que, ou même comme sénateur, tu es à une époque où tu as demandé intervention dans le pays. Et c'est ça, on va essayer d'expliquer maintenant. Non, clair. Les paroles, y auraient été qu'on y a là. Okay. Les paroles s'en vont encore. Les écritures, y auraient été toujours. Mon intervention à ce niveau okay. était claire, les
sans équivoque, li explicite et liant une d'actualité. OK. Nous faisons un constat. Et sous base constat que nous faisons, nous disons de manière claire, la police nationale pas capable d'aller même tout seul, l'armée nous en un stade embryonnaire, même gens que nous gagnons assistance pour former la police, même gens nous gagnons assistance pour former l'armée, l'état impératif pour faire face à groupe armé qui impliqué dans kidnapping, dans vol, dans viol et autres, etc. dans le pays. Et préciser ça, nous clair sur lui. L'état impératif pour que nous analysions, pour nous voir qui j'en ai qu'à solliciter en assistance logistique, opérationnelle, armée, en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Ok, à l'époque, c'était la position du sénateur Joseph Lambert ou bien c'était donc la position du Sénat? Position du sénateur Joseph Lambert qui a été demeuré. Bien. Qui s'allie? Une éolienne. On ne peut pas arrêter purement et simplement dans le premier temps. Qui sont demandés? On m'a dit intervention militaire. On m'a dit occupation territoire par des troupes armées. Ce n'est pas normal. Écoutez, la police a des difficultés. Elle n'a pas d'équipement, elle n'a pas de matériel. Yo commande matériel, yo commande équipement pour bailler la police pour faire travail. Équipement ça yo pas jamais arrivé. Ou paye, yo dit a venir aujourd'hui, a venir demain, a venir après demain. En attendant, policier nou a mouri à gauche, policier nou a mouri à droite, moun a peur violé, moun a kidnappé, tout business fermé et autres, etc. Très bien. En Ukraine, qui ça gagne? Mouet le monde entier mobilisé, yo bail l'armée et la police ukrainienne moyen. Yo bali équipement, yo bali matériel, et puis yo bali assistance. Et je n'insiste pas dessus, assistance technique pour yo capable entraîner l'armée, pour yo mettre en état pour faire face à force russe. Alors en Haïti, nous pas mérité ça, et même ça n'acheté ou pas capable nous yo. Et puis qui ça nous mérité? Nous mérité une intervention, une occupation du territoire par les forces armée étrangère. Et voilà que je ne veux dire qui s'allie ou joigne Premier ministre qui lui-même choisit pour écrire formellement pour demander ça. Et dans l'être que l'écrit, aussi surprenant que ça apparaît, et je vous demande de relire cette correspondance. Bien, ce sera fait tout à l'heure. Lui pas fait mention nulle part, ni cité une seule fois la police nationale et les forces armées d'Haïti. Alors, c'est la raison pour laquelle ce matin, donc dans le titre que nous avons sous table là, nous dit que le docteur A.L. Henry, lui, entre extension, en fait, pour le capabilité plus sous pouvoir, protection pour le capabilité, également, donc, et les revendications du peuple haïtien, parce que dans sa dernière lettre, pas grand-rien qui mentionne la lettre qui garde pas avec la réalité pays, dans sa qui gagne la comme situation. Eh bien, Mabjo, demande qui entourait de suspicions. Pour qui ça? Parce que depuis déjà un an, intervention ça que journée aujourd'hui, que moi prenne là pour population haïtienne, pour monde national et international là. Son intervention que m'était fait déjà depuis déjà un an et demi, presque un an, y'a pas fait cas de lit. Journée aujourd'hui, c'est pas parce que population déchaîné, population enragée, population aoyo, et puis vous vous sentez menacé, et puis vous choisissez dans le moment ça pour demander. C'est comme quoi, les gens qui viennent commander, c'est des gens qui peuvent consolider le pouvoir là plutôt. Ouais, ouais. Et non, ouais. Extension et protection. Pour venir, pour capable de supporter des institutions nationales qui appelaient, je veux dire, à assurer la sécurité du pays, vitam aeternam. Parce que de toute façon, nous toujours jouons une occupation. Nous toujours jouons une troupe étrangère. Ouais. Nous, ministre, t'es venu à un certain moment. Il portait tout malheur nous pour nous avec l'eau. Malheur nous, viol, enceinte, moun, violé, moun, et choléra et autres, etc. Et nous-mêmes, peuple haïtien encore, nous demandons pour que nous fassions ça aller le plus vite que possible. Journée, je vous dis, alors, on demande pareil.
Bon, ma de ça qui est beaucoup dans tout ça. Ça qui est dans tout ça. J'ai entendu le collègue sénateur de la Louisiane, le sénateur Cassidy, qui dit, faut que nous finissions avec l'histoire ça vite, si après on va y payer, on va y vite, pour être ça, parce que nous avons pile du riz là, qui est Louisiane, qui n'est pas qu'à vendre. Ouais. Et que faut qu'on connaît Louisiane, plus gros production que le fait, c'est du riz. Du riz, très bien. Et le pays a consommé plus de 450 000 tonnes de riz par année. Taxe du riz dans le pays, et taxe qui est plus bas, 3%. Très bien. Et lorsque vous gagnez toute pile du riz qui est Louisiane, qui n'est pas qu'à vendre, eh bien, il n'est pas allé dans le sens intérêt américain. Très bien, parce qu'il vient d'Haïti. Il en est de même pour la République dominicaine. Mm-hmm. Capement de 24 sur 24 pour que une intervention militaire qui fait dans le pays. Mm-hmm. Eh bien, nous tous comprenons tout que avec frontières qui bloquées, que ce soit en haut, que ce soit en bas, que ce soit en mi, tant sorti de en sapitrivé juste en haut, dans Wanamet, eh bien, bon, manque à gagner de plus de 800 000 dollars américains pendant la période ça. Pour l'économie dominicaine. C'est bien. Et par conséquent, plus vite nous avons essayé de résoudre le problème, plus vite frontière a ouvert, mais il n'y a pas besoin de résoudre le problème, nan considérer ou même comme pays et comme institution qui gagne pour renforcer tête, ou bien pour bailler tête dans dimension, ou bien pour renforcer l'institution. Non. Non. C'est ouvert pour nous faire commerce. Je ne veux pas dans les tracts des choses. Je pense que le Sénat de la République, dans sa résolution, lui demander pour le ministre quatre bagages importants. Allez-y. Premier bagage important que lui demander pour le ministre. Lui pour le ministre pour sursoir, avec des fonds campés sur demande qu'on fait. OK. Deux, lui demander par la même occasion, les forces politiques qui étaient depuis des années, des mois, il a fait grimace dans le pays. Parler en pile, mais pas jamais capable de briver, mettez-vous d'accord pour sortir un bagage. Premier ministre lui-même, qui refuse de chuter avec tout le monde, et autres, etc. Année dernière, nous avons presque même fini de résoudre le problème ça, au niveau du Sénat de la République. Tout le monde vient pour chuter à parler. Mm-hmm. Sauf le premier ministre qui était choisi de bouder toute invitation que nous faisons. Je vous dis, on aurait déjà un accord. Mm-hmm. Et la dernière fois que j'ai été intervenu, surtout sur le point ça, qui est le deuxième point résolution Sénat, eh bien, nous avons dit que